Yemi, avant la prochaine réunion, s'il te plaît, dis à Madame Loveline de me voir. D'accord, tu peux la faire venir. Salut. Je suis Andrea et je pense qu'on a réunion dans quelques minutes. Oui, prends place. S'il te plaît. Merci. Salut. Salut. Mademoiselle Andrea Johnson. Oui, c'est mon nom. Je suis conseillère en construction de l'équipe. Je crois qu'on a réunion dans quelques minutes. Avec votre personnel, mais je pense qu'il faut qu'on se rencontre avant pour qu'on puisse mettre les choses au point. Est-ce que ça va? Ça vous arrange? Ça va. D'accord. Alors, je me disais que... Votre personnel est... Mais non, ce gars. Alors, Elvis, dis donc, tu me fais comprendre qu'une femme te fait baver? Gars, tu ne peux pas comprendre. Tu ne comprends. Tu ne cernes pas ce que je dis. Donc, fais-moi comprendre alors. Sais-tu ce qu'on ressent lorsqu'une étoile directement du ciel atterrit à tes pieds? C'est ce que j'ai senti. C'est ce que je ressens encore. Attends. Dis-moi que tu plaisantes, c'est ça? Bien sûr que non, car elle est très belle. Ah, cette fille est sexy. Il faut la voir. Grande comme une mannequin. Beauté noire. Attends une seconde. Eh bien, il y a plus de 1001 belles femmes partout alors. Pourquoi celle-ci est spéciale? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de différent? Je sais qu'il y a plein de femmes partout, mais celle-ci... Sais-tu que j'ai littéralement dû ramasser ma langue sur le sol? Tu plaisantes? Je ne plaisante pas. Non, dis-moi que tu plaisantes. Garde! Mon gars, Elvis, bavé à cause d'une femme. Mon gars. Monsieur coureur de jupons. Gars, j'ai bavé. Hein. Ah, toi. J'ai vraiment bavé. D'ailleurs, traite-moi de baveur. Eh bien, j'essaie d'imaginer, toi, de toutes les femmes, t'as choisi baver pour une. Que se passe-t-il? Cette fille est un Quand ange. Quand tu verras cette fille, tu sauras. Je ne sais pas, je pense qu'elle a fait gris-gris sur moi. Je ne comprends Parce que pas. Moi aussi, je me le demande, s'il n'y a pas quelque chose qui... J'étais presque trempé de sueur quand j'ai vu cette fille. Je te dis, si tu vois Dieu. Cette fille, tu vas baver toi aussi. Écoute, il faut que je vois cette fille qui rend mon gars. Tu veux bien la voir? Un peu cinglé. Petite mais puissante. Andrea. Pour
Pourquoi t'as laissé ton téléphone au salon? Il n'arrête pas de sonner. D'accord. D'accord? Si l'appel est important, ils vont rappeler. Andrea, ces gens ont de l'admiration pour toi. J'espère que tu le comprends bien. Oh, tu me fatigues, je jure. Entrez. Ton 19e colis vient d'arriver il y a quelques minutes. Qu'y a-t-il, Andrea? Peux-tu s'il te plaît accepter le gars pour qu'on puisse vivre en paix dans cette maison? Sais-tu que t'es pleine d'orgueil? Tu penses? Écoute, je sais qu'on est amis depuis peu. Et nous partageons le même appartement grâce à notre amie Leslie. Alors? Peux-tu arrêter ton interrogation? Il y a tellement de choses. C'est soit l'agent de sécurité qui renvoie quelques gardes tous les jours, ou... il y a plein de colis à notre porte. D'accord. Andrea, je ne veux pas paraître dérangeante ou m'emmêler. En fait, ça commence pas à me prendre la tête. D'accord. D'accord? Yemi, monsieur, au programme d'aujourd'hui. Monsieur, vous avez réuni à 8h, puis à 11h et 20h également. D'accord. L'équipe de marketing a-t-elle déposé sa demande? Monsieur, ils ont débuté l'exercice du renforcement aujourd'hui. La consultante est là en ce moment. Attends, veux-tu me dire que mademoiselle Andrea est là? Oui, elle est là avec l'équipe de marketing, monsieur. Je vois. Je vais voir ce que fait le responsable du marketing. Mais, monsieur, t'as dit qu'on ne travaille pas cette semaine puisque c'est notre semaine de renforcement. Donc, je sais ce que j'ai dit. Mais d'autre part, l'entreprise m'appartient. Ah, d'accord. Tu sais quoi, bro? Je pense que les gars doivent être informés. N'ose pas. N'ose même pas, gars. Arrête ça. Arrête. Je ne comprends pas. Frère, notre coureur de jupons est rejeté par une femme. Vraiment? Gars, elle ne me rejette pas, d'accord? Mmh? Elle est
Elle se concentre sur son travail et je respecte ça chez elle. Et elle t'a ignoré pour presque 10 minutes. Elle ne t'a même pas reconnu, mon frère. On s'est dit bonjour avant cela. On s'est bien dit bonjour. Écoute, bro, écoute. Je sais que des femmes comme elle sont des féministes. Autonomisation des femmes, présidente. Alors, quoi de mal avec ça? Eh bien, je n'ai rien contre le mouvement féministe, mes frères. Tu ne pourras pas contrôler cette femme. Elle voudra tout contrôler, l'homme de la maison, donc tu ne peux pas. Gars, j'ai pas besoin de l'influencer. D'accord, je veux simplement qu'elle me remarque. Tu sais ce que je dis, n'est-ce pas? Tu veux qu'elle te remarque? Oui. Je vois que je suis un clown pour toi. Oui. Mais c'est tellement drôle. Je fais une monsieur, prestation comique. Oui. Rigole. Je pense que je dois voir cette belle dame. Oui. Rigole. Mon frère. Rigole de mon expérience. Salut. Très beau matinée, n'est-ce pas? Bonjour, monsieur Elvis. Bonjour. Tu fais un travail excellent. J'aimerais t'embaucher. Merci. Votre contrat est passé par notre société et elle m'a envoyé vers vous. Voilà. C'est la même chose. La même chose. J'aimerais en savoir plus sur ton métier de consultante d'équipe. Alors, ça te dirait d'avoir un déjeuner? Ça te dit? Je suis très occupée, monsieur Elvis. Bien sûr, tu l'es. Bien sûr, tu l'es. Mais... tu sais, je veux juste savoir comment tu fais ce que tu fais. D'accord, je passerai à l'heure du déjeuner. Je viendrai à votre bureau, d'accord? Oui, c'est génial. Bien. Donc, les équipes se retrouvent dans des difficultés lorsqu'ils travaillent sur un projet. Mon boulot en tant que consultante consiste à combler tous ces fossés et également à créer de la synergie. Ce sont les fonctions de mon job, mais ça ne se limite pas à ça. Il faut aussi les amener à se comprendre, à s'entendre les uns les autres, mieux se connaître pour une meilleure collaboration. C'est vraiment bien. Alors, quels sont mes derniers mots? C'était quoi mes deux dernières phrases? Hein? Mes deux dernières phrases, c'est ce que je te demande. Tes deux dernières phrases, je pense que qu'il s'agit d'un truc de renforcement de capacité, oui. Renforcement de capacité. Bien, désolé, je dois aller prendre des notes à ce sujet. Et je pense qu'on se verra après. Non, mais on n'a pas fini de parler. Si nous avons fini, vous ne m'écoutez pas. J'écoutais, d'accord. J'écoute. Alors donc, qu'ai-je dit en dernier? Mes deux dernières phrases, dites-les-moi. Cette discussion est finie. Passez une agréable journée, monsieur Elvis. Je vous verrai une autre fois, merci. Ah, Elvis. T'es un idiot. Tu ne comprends pas ce que je dis. Je ne peux pas vivre dans ça. Elle est renfermée sur elle, elle est solitaire. Dès que le loyer de cette année finit, je vais sortir. Comment? Alors que j'étais heureuse d'avoir trouvé quelqu'un avec qui je peux partager l'appart. Et voilà. Je te rappelle après. Comment était le travail? Eh ben, c'était Leslie. Elle te salue. D'accord. Bonne nuit. Et le travail? Est-ce qu'elle va bien? Je ne comprends pas. Devrais-je me méfier d'elle?
Vraiment forme, monsieur. Merci. Waouh. J'aime vraiment votre vêtement. Il vous va bien. Je ne prête pas vraiment attention à toutes ces choses, mais... Merci. La consultante de renforcement de l'équipe est là. Oui, monsieur, on entame une nouvelle séance dans une heure. Demain, c'est l'escapage à la plage, n'est-ce pas? Oui, monsieur. D'accord, dis à la consultante de l'équipe que j'aimerais lui parler. D'accord, monsieur. D'accord. Bonjour, monsieur. Oui, salut. Je suis Udi Bril, consultant de renforcement d'équipe. Pardon, vous êtes qui? Mademoiselle Andrea est inévitablement absente. Absente? Pourquoi? Pourquoi ne suis-je pas informé? Est-ce qu'elle va bien? Elle a des maux de tête. Mais d'ici demain, elle ira bien. D'accord. J'étais ici le premier jour. Donc diriger l'équipe sera facile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si ça vous dérange pas, permettez-moi de vous laisser. C'est bon. D'accord. Bonne journée. Andrea? Oh non, tu fais une fièvre. Est-ce que tu as pris quelque chose?
D'accord. La fièvre a baissé. Heureusement que j'ai eu l'idée de venir te voir. Je vais mieux. Merci. Sais-tu que c'est ta première fois de me dire merci après 8 mois de cohabitation? Désolée. Je te demande pardon. T'étais pas comme ça. Leslie a dit que tu étais la plus bavarde de ses amies. Que t'est-il arrivé? Il faut que j'aille dans ma chambre. Je ne comprends pas comment elle a pu être embauchée. Je veux dire, quelle consultante peut avoir ce genre d'attitude? Elle n'est réellement pas là. Oui, monsieur. Et l'escapade, c'est pour demain, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Que dit Dibril? Il est là avec un autre assistant. Pourquoi? Ont-ils quelque chose contre elle ou pensent-ils qu'elle ne fait pas bon travail? J'en sais rien, monsieur. Mais elle fait un bon travail, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Le personnel pense qu'elle est raide et pas très amicale. Mais je pense qu'elle fait son travail. Qu'entend-il par elle est raide et pas très amicale? C'est la personne la plus sympa que j'ai rencontrée. Je veux dire, qu'elle est très amicale. Monsieur, le personnel préfère Monsieur Dibril à Mademoiselle Andrea. Je suis le dirigeant, n'ai-je pas le droit de choisir? Bien sûr, monsieur. Je préfère Mademoiselle Andrea. Appelle-moi Monsieur Dibril, car je ne quitterai pas sans cette Mademoiselle Andrea. Pardon? Elle est la meilleure que je connaisse. Monsieur, qu'attends-tu de plus? Dégage. Salut, Andrea. C'est Elvis. Qui? Ne me dis pas que tu m'as oublié si vite. S'il vous plaît, pouvez-vous aller droit au but? J'ai pas assez de temps. D'accord. Je m'appelle Elvis, le PDG de E.T. Pétrole et Gaz. Désolée, je ne savais pas que c'était un client. D'accord, sans souci. Je voulais juste appeler et prendre de tes nouvelles. Je sens que t'as l'air faible. Je vais bien. T'es sûr que ça va? Tu tousses? Ouais, je suis au balcon, c'est sûrement le vent. D'accord, désolé pour ça. Pourquoi ne pas aller à l'intérieur? Il doit faire froid dehors. D'accord, et pourquoi m'appelez-vous? J'ai appelé parce que j'étais inquiet. Ouais, t'es pas venu, même après le 3e jour et... T'es pas allé à l'escapage. Monsieur Dibril et madame ici s'en occupent désormais. Oui, ils m'ont dit, mais je préfère que ce soit toi qui le fasse. Je suis désolée, je ne peux plus continuer à faire le boulot, mais votre personnel est dans de bonnes mains. D'accord, mais comme je l'ai dit, j'aurais souhaité que ce soit toi, tu vois. Désolée, si c'est tout, j'aimerais bien raccrocher. D'accord, c'est bon, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'elle a bien pu dire qui sort de l'ordinaire? T'étais pas ici? On vient de se parler. De quoi? Travail? Non, pas seulement du travail. Gare, on a aussi parlé de sa santé. C'était en combien de lignes? Arrête tes bêtises, vas-tu m'arrêter ça? Pourquoi combien de lignes? Pourquoi donc es-tu excité?
Je suis excité parce qu'on a parlé. Dommage. Tu sais, toutes ces années passées sans femme dans ta vie ont déposé des toiles d'araignée dans ta cervelle. Bravo, bravo. Est-ce c'est toi qui perds la tête. Ai-je menti? Genre, as-tu une femme depuis un moment? T'as pas eu de femme depuis un bon moment. Pardon, ça suffit. C'est bon. Je t'en prie. Bavé pour une femme. Tu sais, je dois réfléchir à la façon de sauvegarder son nom. Je vais voir ce que je peux écrire. Andrea. Non, c'est trop simple. Mademoiselle Andrea. C'est plus sexy. Ça sent que t'es complètement dépouillé. Qui ça? Mais c'est toi. C'est toi qui es dépouillé. C'est ton papa qui est dépouillé. C'est pas moi. Elvis, attends une seconde, je veux comprendre. Es-tu en train de dire que t'as interrompu votre exercice à cause d'une fille? Ben, c'est pas du tout juste que son entreprise l'ait retirée. En fait, c'est elle qui a tout lancé. Ils ne l'ont pas virée. Elle est simplement malade. N'est-ce pas ce qu'ils t'ont dit? Ouais, c'est ce qu'ils ont dit, mais ils cachent quelque chose. Oh, eh bien, il se peut qu'ils l'aient envoyé ailleurs. Quoi? Pourquoi? Quand elle n'a pas fini mon travail, comment ferais-je l'exercice si elle ne vient pas? Hé, calme-toi Elvis. J'ignore complètement ce que cette dame t'a fait, mes frères. T'as vraiment besoin de te ressaisir. Je t'ai jamais vu agir de la sorte. Bro, je ne peux t'expliquer. J'arrive pas à sortir cette fille de ma tête. Tu sais, craignais les femmes. Une est arrivée finalement à attacher mon gars. De quoi parles-tu, ce mec? Alors donc, c'était la séductrice? C'est une très ravissante femme, à qui je suis très très attiré, et elle est aussi très intelligente. Très bien. Si elle t'attire autant, pourquoi ne pas lui dire? Qu'est-ce qui t'empêche? Gare, j'essaye, mais c'est tellement difficile. Oh allez gars, arrête ça, rien n'est trop difficile. Rien que 2 ans hors du jeu, tu te comportes déjà comme un garçon de 16 ans. Qui a 16 ans? Gare, arrête ça. D'accord. Elvis, tout d'abord, pourquoi ne pas me remettre son contact? Je l'appelle en tant que client et je le mets sur mes libres. Là, c'est très bien. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Je te le dis toujours. J'ai vraiment apprécié cette idée. C'est bon. Allez, allons-y. C'est la meilleure méthode. This over, I don't know. This not infatuation needs to get harder each time. I try to play the game. I can't trade you for nothing. Can I let you go now? I know it's been ups and downs. Andrea Donson à l'appareil. Oui, c'est mon numéro professionnel. Puis-je avoir votre ligne privée? Pourquoi? Êtes-vous un de mes proches ou amis? Je veux bien devenir un de vos proches. Vous voulez être un de mes proches? Ton ami. Désolée, ma liste d'amis est fermée. Jusqu'à quand? Je ne sais pas, 2024, 2043. Êtes-vous sûr que vous ne... T'es de retour? Bienvenue. Bonne nuit. Frère, tu sais, je pense que ceci est une obsession. Tu le penses? Oui, parce que tu ne cesses d'appeler son bureau pour avoir son adresse de maison. Veux-tu la harceler? Il faut qu'il me donne son adresse. Je veux juste passer et m'assurer qu'elle va bien, d'accord? Mais je ne pense pas qu'ils le feront. Ils disent qu'ils me rappelleraient, donc. Ils ne font que de jouer, bro. T'es leur client après tout. Gare,
Je veux son adresse, hein. Eh ben, je pense qu'elle m'a bloqué parce que je n'arrive plus à la joindre. Quel est ton problème actuellement? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Cette fille ne veut pas de toi. D'ailleurs, aucun bureau ne fera pas ce que tu demandes. C'est contraire à l'éthique. Ben moi, je suis sincère. Monsieur, repose-toi. Je t'en supplie. Elle ne veut pas de toi. D'ailleurs, elle a plus de classe que toi. Qu'il dit? Gare, regarde-moi. Je suis élégant. J'ai de l'argent. Je vais la traiter comme une reine. Quoi d'autre? Oui, c'est que t'es riche. Et bien sûr que t'es beau, mes frères. Le truc, en fait, c'est que elle ne veut pas être traitée comme une reine. Du moins, de ta part. Monsieur, va derrière, disparaît. Je te dis la vérité, tu n'aimes pas la vérité. S'il te plaît, hein, s'il te plaît. Eh ben, oui, cela me rappelle. Eh ben, quoi? As-tu les nouvelles de l'hôpital? Non, j'en ai pas. Waouh. Tu sais, ça fait vraiment très longtemps. Ouais. Alors, as-tu pensé à retirer le bouchon? Je veux vraiment pas penser à ça maintenant. Le bureau d'Andrea. Gare, honte à toi, hein. Allô? Oh oui, j'attends votre appel depuis. Mademoiselle Andrea. Eh bien, je rêve ou quoi? Mademoiselle Andrea. Dois-je obtenir une ordonnance restrictive? Non. À quoi est-ce que tu pensais? Qu'est-ce que tu fais finalement? Pour qui est-ce que tu te prends? Pourquoi cherches-tu mon adresse de maison? Calme-toi, j'essayais juste de... La prochaine fois que tu essayeras, je ferai appel à la police, m'as-tu bien compris? Quel culot! Ah. Elvis, j'arrive pas à croire que cette fille t'ait tapé sur les nerfs. Triste, hein? Vraiment triste. Tu ne devrais pas donner à qui que ce soit ce genre de pouvoir. Non, tu ne devrais pas. Bien, c'est un plaisir qu'elle ressent quelque chose pour moi. Quoi? La haine? Oh non, ne commence pas. Oh, laisse-moi. Oh, laisse-moi. Tu sais, ça fait une semaine que je l'appelle, mais rien du tout. Oh, laisse-moi. Une femme ivre. Laisse-moi tranquille. Je me demande pourquoi elle vient de s'enivrer ici. Et si quelqu'un profitait d'elle? Laisse-moi bon tranquille. Bon Dieu, c'est Andrea. Je veux me reposer Andrea. Un peu. Andrea. Oh, yo. Que se passe-t-il? Laisse-la, laisse-la. Andrea, ça va? Ah, t'es ivre. Oh, laisse-moi. C'est bon. Lève-toi. Reposer. Prends son téléphone. Laisse-moi tranquille. Allez, allons là où tu peux te coucher. Allez, c'est bon. Lève-toi. Laissez-moi tranquille. Non, viens. Tu peux pas rester ici. Je veux me reposer. Allez, lève-toi. C'est bon, ça va aller. Oui, c'est bon. Oh. Allons. Doucement. Allons-y. Oh.
Où est-ce que je suis? Bonjour, beauté. As-tu profité de moi? Oh, oh. L'as-tu fait? Non, 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 non. Pourquoi? Relax. Pourquoi ferais-je ça? Je ne t'ai que aidé du bar. Oh, s'il te plaît, tais-toi. Toi qui me harcèles depuis toujours. D'accord, d'accord. S'il te plaît, relax. D'accord? Relax. Ne me dis pas de me relaxer, espèce de coureur de jupons. M'as-tu touché? Non, pas du tout. D'accord? Je t'ai vu au bar. Tu étais ivre. Et un inconnu voulait profiter de toi. Étant donné que je te connais, j'ai jugé mieux de t'amener chez moi. J'ai même pas dormi dans cette chambre. Mademoiselle Andrea, tu ferais mieux de t'en aller. Un instant. Où étais-tu? J'étais morte d'inquiétude quand tu n'étais pas rentrée hier nuit. J'ai un peu abusé de la bière. Où? Dans un bar. Quoi? C'est dangereux. Oui, mais quelqu'un m'a sauvée et j'en suis sortie. Es-tu sérieuse? Ouais, bien sûr. Cette personne est clairement un ange. J'espère que tu l'as remerciée comme il le faut. Ici, c'est Lagos. Une fille sexy comme toi, ivre dans un bar, c'est faire miroiter en poisson à un chat. Ah, heureusement que t'es revenue sauve. Je vais aller chercher quelque chose à manger. Tu en veux? D'accord. Bien. Bienvenue. Monsieur. Oui, Yomi. C'est Mademoiselle Andrea au téléphone. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle dit qu'elle vous appelle, mais vous ne répondez pas. C'est parce que je suis occupé. Dis-lui que je ne peux pas lui parler maintenant. D'accord, dois-je lui dire que vous êtes occupé ou vous prendrez l'appel? Oh, excusez-moi, monsieur. S'il vous plaît, monsieur Elvis. Que veux-tu? Je suis désolée, je... D'accord. J'essaye de plus d'obtenir une audience avec vous. Mais votre assistant dit que vous ne recevez personne, donc je... Je peux, s'il vous plaît, vous parler? Eh bien, je suis à l'écoute. Je tenais à m'excuser pour mon attitude de garce de l'autre jour. Je te pardonne, excuse-moi. Aussi, merci d'être un homme bien. T'es sûr que je le suis vraiment? Qui sait, peut-être je voulais profiter de toi. Je suis désolée, d'accord?
Je n'aurais pas dû dire tout cela. S'il te plaît, pardonne-moi. C'est bon, t'es pardonné. Prends place, s'il te plaît. Suis-je à l'abri? Bien sûr, t'es à l'abri. Merci d'être venu. Merci. Ouais, je voulais pas que l'on me prenne pour un profiteur, donc. Même pas. Merci d'être venu. Ça me va droit au cœur. D'accord. Je vais aller voir le repas et je reviens, d'accord? Détends-toi et sois à l'aise. D'accord, prends ton temps. Ah, ouais. Tu l'aimes? Oui, bien sûr. C'est bien fait. Merci. Tu sais, si tu étais si abordable, quand j'essayais de te parler, nous serions des meilleurs amis. Sommes-nous amis? Sommes-nous? Je pense que j'ai un nouvel ami qui s'ajoute à ma liste d'amis. Attends, c'est toi qui parles? Ouais. Ben, je t'ai mal saisi. Je pense qu'on peut être amis. Waouh! Oh mon Dieu, ben, attends. Dans quelle année sommes-nous? Est-ce 2045? 20... Oh. D'accord. C'est bon, j'ai compris le jeu. D'accord. Si je comprends bien, j'ai attendu 22 ans pour ton amitié. Oh, s'il te plaît, arrête. Quel âge ai-je maintenant? 45 ans? Arrête. Oh mon Dieu. Tu es très drôle. Est-ce une machine à vitesse? D'accord. Alors, Ada? C'est mon nouvel ami, Elvis. Elvis, c'est Ada, ma colocataire. Salut, Elvis. Salut. T'es sans doute plus sexy que ce qu'elle a décrit. Ah. Eh bien, Ada, ravi de te rencontrer. Le plaisir est partagé. C'est bon. Oh, donc quelqu'un me décrit maintenant. Je vous laisse les gars. Alors, tu me décris maintenant, c'est ça? Tu me décris. Je pense que t'as pas oublié de mentionner mon incroyable physique. Il n'est pas si incroyable que ça. T'as parlé? Tu dis. À quel jeu tu joues au juste?
Genre, en rendez-vous? Je vais consulter mon agenda. Quelle heure? Ok, d'accord. Voilà, nous y sommes, n'est-ce pas? Ouais. Je me suis amusé ce soir. Je savais pas que tu étais aussi bon danseur. Je me débrouille aussi. J'ai aussi constaté que tu étais très chaleureux. J'avais mes yeux braqués sur toi toute la soirée. Non, arrête. Arrête ça. Arrêtez quoi? D'accord, il est temps de partir. Oh, tu me renvoies maintenant? Non, il est tard. Tu dois partir. Si je voulais encore plus. Quoi? Tout ce que tu voudras m'offrir. T'es sûr? Sûr. Il est l'heure de ton aller. Ouais, il est tard. C'est bon, tu dois rentrer. Vas-y. Oh mon Dieu. C'est la première fois que je te vois sourire. Oh, je souris tout le temps. Cela te va très bien. Et non, ces expressions de Dracula, elles ne te correspondent pas. Attends, viens-tu de m'appeler Dracula? Bien sûr. Donc tu insistes encore, tu oses m'appeler Dracula. Tu sais, t'as des talents de courtisan. C'est tout à fait louable. T'es un sacré homme patient. Eh bien, je l'ai d'abord poursuivi, mais quand j'ai remarqué qu'elle n'était pas prête, je me suis éloigné. Oh. Alors, ça veut dire que cette tactique a fonctionné. Garde, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Je peux pas l'affirmer. Ce que je sais, est qu'elle a une femme tellement amusante avec qui être. Garde, je ne me suis pas senti ainsi pendant des années. Alors? Alors, tu vas maintenir votre amitié, c'est ça le but? Oui, tout à fait. Oui, juste l'avoir à mes côtés, oui. Et voilà mon tout puissant ami Elvis, qui seulement veut qu'une simple amitié. Mon frère, il vaut mieux se donner une sagesse et rester ami, au lieu de tout perdre. T'as raison, mais je pense que tu devrais lui dire tes sentiments. Oui, c'est mieux, j'en suis sûr. Mais sérieux, dis-le lui. Wow, t'as une très belle maison. Merci. Ben, t'as déjà été ici, tu te rappelles? Ouais, j'y avais pas prêté attention. Oui, parce que t'avais la tête qu'à penser que j'ai profité de toi. Oh, s'il te plaît, arrête. Tu sais, t'es une sacrée femme dure à cure. Je sais. Ben, j'aime ta manière de faire. Car sinon, d'autres hommes auraient gagné. Gagné quoi? Toi. Moi? Andrea. Dès le premier jour que je t'ai vu, j'étais attiré. J'ai tiré mon coup, mais t'as refusé de tomber. Et si je savais que ce serait si facile de te faire tomber, j'aurais pas mis tous ces efforts. Allez, je plaisante, c'est une blague. Je t'aurais quand même poursuivi. Peut-on arrêter de parler de
ton parcours difficile pour m'avoir et parler de pourquoi nous sommes ici. Attends, sommes-nous là pour une raison? Je pense que t'es là pour... C'est pour ça que je suis venue. Ça ne peut pas être la raison. Ça ne peut pas être la raison de ta venue. Sois ma copine. Pourquoi t'es surprise? Je pense que nous allons trop vite. On a juste fait l'amour. Je sais. Après ça, quoi d'autre? Rien. Non. C'est pas ce que je veux de toi. D'accord? Écoute, je veux un truc sérieux. Quelque chose de vrai. Andrea, je suis pas là pour m'amuser. D'accord, je te veux. Je suis pas là pour jouer aucun jeu. D'accord? S'il te plaît, dis-moi oui. Donne-moi juste une chance, je te promets. Je te traiterai comme une reine. C'est un oui. Je ne te comprends pas. Je vois que quelqu'un est très heureuse. Oui, je le suis. Vraiment? Pourquoi? As-tu une promotion? Oui, j'ai été promue. Petite amie. Ah bon? Elvis et toi, êtes en couple? Oui, nous le sommes. Félicitations. Je suis contente de te voir si heureuse. Je suis contente aussi. Donc j'ai failli tout gâcher? Ouais, avec tes sautes d'humeur. Tu lui as dit? Je lui ai dit quoi? Leslie m'a raconté, tu vois, ce qui t'a changé. C'est du passé désormais. Mais non, c'est le futur. Ouais, c'est ça. Waouh. D'accord. J'aime ça. Waouh. J'aime celle-là. C'est bon. Que penses-tu de ça? Très belle, je l'aime. Pourquoi ne pas l'aimer? Regarde où sont tes yeux. C'est bien. Mais c'est toi qui as fait la photo, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mais je ne savais pas que c'était comme ça. Ouais, voilà maintenant. D'accord. Tu peux faire défiler toi-même. D'accord. Allez, voyons. Regarde ma brochure, celle-là. Ouais, comme si tu espérais quelque chose. Excuse-moi. Très coquin, s'il te plaît, continue. Tu m'as l'air très malicieuse sur celle-ci. D'accord, ça va, puis j'ai avoir mon téléphone non, maintenant. Non, j'ai pas fini de regarder. Non,
Tu ne vas pas regarder toutes tes photos, j'espère. Pourquoi pas? Oui, je le ferai, parce que je t'aime. Tu m'aimes? Oui, je t'aime. Pourquoi? Que tu dis pas pourquoi? Juste que tout ceci va trop vite, d'accord? J'ai jamais imaginé... Qu'un mignon garçon comme moi t'aimerait. C'est pas ce que je voulais dire. Tu m'embêtes. Oh, pardon, peux-tu arrêter de me distraire? Je bavais en regardant les photos de ma petite amie. Désolée. Ouh, qui est celui-ci? Sais-tu qu'en fait... attends, une seconde, laisse-moi voir. Est-ce ta mère? Elle est très belle. André. André. Puis-je entrer? T'es déjà là. D'ailleurs, c'est ta maison. Bébé. Est-ce que tu vas bien? Désolée. Désolée? Pourquoi? Pour mon comportement tout à l'heure. De quel comportement s'agit-il? Le truc est que j'étais en relation avec un gars qui a payé un groupe de bandits pour voler ma famille. Et dans le processus de cambriolage, ils ont tiré sur ma mère. Quoi? Oh mon Dieu! Je suis vraiment désolé. Ta mère, comment va-t-elle? Elle entra dans le coma et mourut des semaines après. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé. Tu sais, mes parents étaient très très riches. Mais je ne savais pas qu'il était avec moi pour l'argent de mes parents. Il a comploté avec le Virgile pour nous cambrioler. Il a fait quoi? Le premier anniversaire de sa mort était le 13 du mois passé. Je me blâme pour sa mort. Parce que si je n'avais pas laissé cet homme entrer dans ma vie, tout cela n'allait pas arriver. C'est bon. C'est bon. Le 13. Je me souviens. C'est le jour que t'as pris le congé de maladie, n'est-ce pas? Ouais. Je me suis sentie mal ces jours. C'était la raison pour laquelle je me suis enivrée. Je ne cessais de me culpabiliser. C'était trop. Hey, bébé. Ça va, d'accord?
c'est pas de ta faute. T'es pas coupable de tomber amoureuse. C'est vraiment dommage que ta relation amoureuse t'a coûté la vie de ta mère. Je ne pense pas qu'il faudra te blâmer. D'accord? J'ai choisi de vivre encore, malgré tout ce qui s'est passé. Je suis tellement bénie de t'avoir. Ouais. Et je suis chanceux de t'avoir. Ça va, ça va. Tu veux faire quoi? Je lui ferai ma demande. Mais je te l'ai dit, tu ne peux pas épouser cette fille. Pourquoi pas? Garde-t'elle le mieux placé pour savoir. Eh bien, du moins, c'est pas maintenant. S'il s'agit de cela, je peux bien m'en débarrasser facilement. Pas de problème. Pas de problème, vraiment? Alors, vous en avez parlé? Non. Pas encore, mais je le ferai dans peu. Gare, aide-moi à choisir une bague, s'il te plaît. Ah, bien, bien. Alors, as-tu sa taille de bague? Je pense bien. Tu penses? Gare, t'es pas sérieux avec ta vie, je te dis, t'es pas sérieux. Gare, t'es si dramatique, t'aimes trop les drames. Regarde, tu penses, jusqu'à l'heure, tu penses. Ah, ah. Fais-moi voir. Regarde celle-là. Entre... Il y a trois options là-bas. Elles ne sont pas du tout mal. Ouais. tu sais, je peux acheter deux ou trois types au cas où... Je vois, ça c'est une très belle idée, hein. Salut bébé. Salut. Que fais-tu ici? Qu'est-ce que c'est? Non. Bébé. Non. Te connaître, c'est ma plus grande bénédiction. Tu me rends très heureux. Et passer les jours qui me restent avec toi fera de moi l'homme le plus heureux du monde. Andrea, voudras-tu s'il te plaît m'épouser? Oui, bien sûr, j'accepte t'épouser. T'es vraiment folle. Je t'aime tellement. Désolée, je t'ai mis du rouge à lèvres. On ne peut s'empêcher. Je sais avec qui t'as organisé tout ça. Qui? Elle. La voilà. Comment t'as fait? Elle. Merci. Merci. Baby, I'm here to stay. Attends. Veux-tu que je tombe enceinte? Attends. C'est quoi ça? Est-ce que c'est ton ventre? Tu cherches peut-être un prétexte pour toucher mes tablettes. Admets-le juste. Oui, ça, mais sérieusement. Ton ventre devient de plus en plus gros. Ah, jamais, c'est impossible. Qui le dit? C'est impossible. Pardon, mon mari doit être sexy, hein. Pour qu'il puisse bien assurer, hein. Tu veux que je t'assure? J'ai pas dit ça. Je savais pas que c'était plutôt ça que tu voulais.
T'as du poireau. Est-ce que tu veux me tuer? Ah, tu essayes de me tuer? Attends, c'est ton téléphone? Oui, ta chance. Voilà, sauvé par ton téléphone. Eh bien, on verra. Allô? Oui. Quoi? Quand? Félicitations, monsieur Elvis. Ta femme est sortie du coma. Oh mon amour, tu m'as tellement manqué. Sarah. Comment vas-tu? Je vais bien. Je me sens bien. Je ne peux pas imaginer que j'ai été dans le coma pendant 2 ans. Son rétablissement après le coma a vraiment étonné tout le monde. On lui fera des analyses et la transférer en centre de réadaptation. Je t'ai manqué. Je serai dans mon bureau. Merci, docteur. Je vous en prie. Viens. Viens t'asseoir près de moi. Viens, viens par ici. Tu m'as manqué. Tu ne peux pas imaginer à quel point. Oh mon bébé, tu m'as manqué. Je suis tellement heureuse de te revoir. Hey bébé. Hey. J'ai fait des pâtes. Tu en voudrais pour le dîner, n'est-ce pas? Oui, ça peut aller. Tu vas bien? T'as l'air bizarre. Pourrons nous parler? Oui, bien sûr, nous pouvons parler. Qu'y a-t-il? Bébé, tu sais à quel point je t'aime, n'est-ce pas? Et je ferai tout ce que je peux pour qu'on soit ensemble. Je ferai tout pour te rendre heureuse, pour nous rendre heureux. Oui, mais pourquoi tu dis tout ça? Tu commences par me faire peur. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Qu'est-ce que c'est? Je suis marié. Que veux-tu dire par t'es... T'es sérieux? T'es actuellement marié? Oui, je le suis. Mais je peux t'expliquer. Que veux-tu expliquer? Que tu veux pratiquer la polygamie? C'est ce que tu essayes de dire? Non, c'est pas ça. Alors que dis-tu? D'accord. Sarah et moi étions sur le point de divorcer avant qu'elle ne soit victime d'un accident grave. D'accord? Et depuis, je fais tout ce que je peux pour la garder en vie à l'aide des machines. S'il te plaît, je... d'accord, désolé, fais-moi comprendre, je suis confuse. Oui, pardon, explique. Sarah a passé 2 ans dans le coma. Et je me suis mis d'accord avec le docteur de la débrancher 1 semaine après ma demande. Mais elle s'est réveillée. Donc, ce que tu me dis, c'est que tu m'as fait la demande
quand ta femme était dans le coma. On allait déjà divorcer. Mais c'était pas finalisé. En plus, je suis le seul autorisé à signer son formulaire médical. Et pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Écoute, je ne savais pas qu'elle allait se réveiller. Je ne savais pas. André. Alors, Elvis, que penses-tu faire donc? Je suis dans un pétrin. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit de l'exposer toute la vérité. Je l'ai dit, Elvis. Je m'apprêtais à lui dire. J'allais le faire, mais pas immédiatement. Tu sais, Sarah et moi sommes divorcés. Non. Ça n'a pas encore été fait. Le divorce n'a pas été conclu. Pas du tout. Sarah n'avait même pas signé sa partie. Hey, je veux pas quitter Andrea. Je veux pas. Je le sais. Cette fille est ma vie. Je le sais. Elvis, je le sais. Mais... Sarah vient de se réveiller. Oui. Et elle croit même que vous êtes toujours ensemble. Oui. Par ailleurs... La famille est-elle au courant du divorce? Je ne pense pas. Ils me considèrent toujours comme leur gendre. C'est encore plus compliqué. Sarah est très heureuse de me voir. Je ne sais même pas quoi faire. Alors, tu dois être vraiment honnête avec toi-même. Avec qui veux-tu réellement vivre? Sarah ou Andrea? Qui? Salut bébé! Salut. Devine quoi? Le docteur a dit que je peux rentrer à la maison. Je suis très heureuse pour ça. Tout le monde est étonné de la manière dont je me suis vite rétablie. Tu sais, je n'aurai plus besoin d'aller dans un centre de rééducation. On pourra faire venir un thérapeute chez nous. Chez nous? Oui, chez nous. Qui est-il? Tu m'as l'air... absent. Est-ce que tout va bien? Sarah... Je sais pas comment te... le dire, mais... Nous n'étions plus ensemble, comme couple, lorsque t'as fait l'accident. Quoi? Qu'es-tu en train de me dire? Écoute, je ne compte pas te choquer, d'accord, mais... Nous n'étions plus ensemble. Nous ne l'étions pas. Non. Nous étions sur le point de divorcer. Oh non. Non, je pense que tu plaisantes avec moi. Pourquoi es-tu si méchant? Je me suis réveillé pour toi, pour nous. Tout ce que j'entendais dans mon subconscient, c'était ta voix. Qu'est-ce que tu me racontes, Elvis? Écoute, juste calme-toi et... Non, non, ce n'est pas vrai. Calme-toi. Non, 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 je t'aime et on s'aime tous les deux.
On s'aime tous les deux, Elvis. On ne peut pas se séparer. Jamais. On ne peut pas divorcer. Non, non, non. Ça ne peut pas arriver. Calme-toi, Sarah. Non, Sarah. Non, 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 Sarah, non, je pense que je dois t'appeler le docteur. Docteur. Non, non, non. Docteur. Comment pouvons-nous gérer ça? Monsieur, malheureusement, c'est le cas de certains patients après leur sortie de coma. Une partie sélective de leur mémoire s'endommage. D'accord, mais est-ce qu'elle va quand même les retrouver? C'est pas garanti. Disons peut-être des jours, des semaines, ou des mois, même des années. Ce qui veut dire qu'elle va toujours penser qu'on est mariés. Bien, espérons le meilleur. Sois un positif qu'elle puisse retrouver sa mémoire le plus vite possible, afin de résoudre cette histoire. D'accord, merci docteur. Je vous en prie, je vais voir le prochain patient. Got something in the world that needed more than air to survive. You've got something in the world that needed more than silver and gold. You've got all I need, and I know you're the air I breathe, and it's true. Bien sûr, je me souviens de toutes choses. Bien sûr, mais je ne veux pas qu'il sache que je me rappelle. Je l'aime énormément. C'est pourquoi je fais semblant de ne pas me souvenir du passé. Je te rappelle. Salut, chérie. Salut. Et ta journée? Bien. J'ai dit au cuisinier de faire quelque chose de bon pour toi. J'espère que tu l'aimeras. Non, ça va. Pourquoi? Ne vas-tu rien manger? Non. Thank you.
Tu es le meilleur ami de mon mari. Et la seule personne qui puisse me dire pourquoi mon mari a ce comportement étrange envers moi. As-tu vraiment oublié ce qui s'est passé entre vous deux? Je ne me souviens de rien du tout. Je fais des efforts pour me rappeler de ce qui s'est passé, mais c'est impossible. Es-tu sûr? Emeka, j'ai été dans le coma pendant 2 ans. C'est pas pure grâce que je suis en vie et en forme. Ouais. Ça fait très longtemps, tu vois, je suis restée inconsciente. Ouais, je comprends. Mais tu sais, tu devrais lui dire merci de t'avoir prise en charge tout ce temps. Sois reconnaissante. Je le suis. Je le suis vraiment, mais il a l'air distant. Il était un homme aussi doux et passionné, tu sais. Ça me manque énormément. Ouais, je comprends. Tu sais, c'est pas facile pour qu'un homme reste seul pendant 2 ans. Que veux-tu dire? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Oui. Il est fiancé et... Quoi? Tu t'es réveillé. Et ils sont fiancés? Oui, Sarah, écoute. C'est pas ce que tu penses. Et écoute. Ah non! Donc tu veux dire que... Elvis cherchait à continuer sa vie sans moi. Hé, hey, Sarah, c'est pas ce que tu penses. Oh, Dieu. Hé, hey, non, ça va. Non, Sarah, s'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, Sarah, ne fais pas ça. Oh, Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Désolé, je suis désolé, Sarah, non, je suis désolé. Non, ne sois pas. Je suis celle qui est restée dans le coma pendant un long moment, n'est-ce pas? Tu sais, je suis vraiment désolé. Je suis tellement désolé, s'il te plaît. L'infirmière a dit que tu essayais de t'ôter la vie. As-tu perdu la tête? Le suis-je? Toi, dis-le-moi. T'es sortie du coma après qu'on ait conclu que t'es morte. Et quelques semaines après, tu veux te suicider? Ne serait-ce pas un plaisir pour toi? Comme ça, tu épouseras ta copine, ou devrais-je dire ta fiancée? Qui t'a raconté ça? À quoi ça sert? Bébé, vivre sans ton amour ne sert à rien. Je préfère mourir. Arrête de dire ces choses, s'il te plaît. J'essaierai de me tuer jusqu'à ce que je réussisse. J'aurais souhaité mourir dans ce coma. J'aurais vraiment souhaité mourir dans ce coma. Était-ce si difficile de m'attendre? Tu as fait travailler la machine pendant 2 ans. N'est-ce pas parce que tu avais l'espoir que je me réveillerais un jour? Oui, j'avais de l'espoir. Voilà, je me suis réveillée. Je suis avec toi, bébé. Pourquoi ne pas m'aimer comme auparavant? Tu m'aimais énormément. Voilà. Si tu ne te remets pas avec moi à 100%, alors je n'aurai pas le choix. Sarah. Dis-le. Dis-le, Elvis. Avec qui veux-tu rester? Elle ou moi? Elle a essayé de se suicider? Pour l'amour du ciel, pourquoi ferait-elle ça? Ah. T'es dans le pétrin, mon frère. Pétrin. Oui.
Malgré moi, j'ai décidé de continuer en tant que son mari. Et qu'en est-il d'Andrea? Je lui dirai. Mais tu ne peux... Gare, elle vient de sortir d'un coma. Je peux pas juste l'abandonner. On a été ensemble un long moment. Peut-être Andrea et moi, nous ne sommes pas faits d'être ensemble. Toutes ces choses n'ont pas de sens. Pas du tout. Je veux dire, vous étiez d'accord de rompre 2 ans passés. Ah. Gare, ma vie est un film. Si t'avais tout raconté à Andrea dès le début, ça aurait été plus facile. Tu te rends compte? Si je l'avais dit, penses-tu qu'elle m'aurait accepté? Tu sais, elle était très difficile à voir. Mais maintenant que je suis hors de sa vie, elle change les hommes. Hey bro, écoute. Elle mérite de trouver son propre bonheur. Oui. D'ailleurs, tu n'étais pas honnête dès le début. Tu ne l'étais pas. Mais ça fait moins de 2 semaines. Qu'on s'est séparés, suis-je si facile à oublier? C'est de ta faute. Admets-le. C'est de ta faute. Hey, où penses que tu vas? Oui, t'as raison. T'as raison. J'ai plus aucun droit sur elle. Aucun. Chérie. Bienvenue. J'ai une bonne nouvelle, devine quoi? Quoi? D'accord, je suis allé à mon dernier contrôle et le docteur a dit que je vais bien, je suis en pleine forme. Ouh! Yeah! C'est génial. C'est comme si t'as pas l'air content de l'entendre. Je le suis. Ce que veut dire que cette nuit je peux déjà m'installer dans la chambre maîtresse et faire l'amour avec toi. Ça m'a tellement manqué, bébé. Ça fait très longtemps, je ne me suis plus. J'ai eu une longue journée de travail. Je suis fatigué, je dois me doucher. Smile that
Oh bébé. Tu seras foudroyé si tu m'appelles encore comme ça. Qui est-il? Tu m'as envoyé ce truc. Envoyé quoi? Pourquoi? Je ne t'ai rien envoyé. Je vais te rafraîchir la mémoire. Mimi, n'oublie pas de rappeler à papa et maman de faire semblant que j'ai oublié quelques fragments de ma mémoire. Tu sais qu'ils oublient facilement. Je voudrais pas qu'Elvis découvre que j'ai jamais rien oublié. Bébé, je peux t'expliquer. C'est pas ce que tu penses. Ce testo était fait pour ta sœur. Je sais pas comment, mais Dieu faisant, tu me l'as envoyé par erreur. Désolé, je suis désolé. Pardonne-moi, bébé. Je suis vraiment désolé. Pardonne-moi. Tu m'as trompé il y a 2 ans avec notre voisin. T'étais même tombé enceinte de lui. Et maintenant, tu essaies de me faire du chantage? Elvis, j'arrive pas à croire que tu m'as eu. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, 2 ans, c'est tellement long pour garder une rancune. Et d'ailleurs, j'ai déjà payé pour mes erreurs quand j'ai eu cet accident grave qui m'a mis dans ce coma et m'a fait perdre l'enfant. S'il te plaît, bébé, pardonne-moi. Je crois pas que je suis tombé pour ça. Je ne peux pas croire. J'arrive pas à croire que t'as pu m'avoir. Tu sais que j'ai quelqu'une que j'aime et pourtant, t'as essayé de le détruire. Mais je t'aime, Elvis. Je t'aime. Et j'ai changé. J'ai vraiment changé. Le coma m'a changé. Avant que je ne revienne, je te veux hors de chez moi. Oh sinon, non, non. Tu retourneras Elvis, au coma. Elvis, tu ne peux pas me faire ça. Elvis, s'il te plaît, pardonne-moi. Tu ne peux pas me faire ça. Si je reviens dans cette maison et je te trouve. Elvis, s'il te plaît. Elvis, s'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, Elvis. 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 Quoi? Tu laisses ceux-là? Je prends seulement les choses essentielles, rien de plus. T'es obligé de partir? Ouais, il le faut. Mais t'es arrivé dans cette ville il y a moins d'une année. Tu veux repartir déjà? Un changement d'environnement m'aidera à accepter les nouveaux changements de ma vie. On vient juste de commencer à se connaître. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer aussi. Je veux pas que tu partes. Il le faut. Donne-moi un coup de main. Tu peux prendre celle-ci. D'accord. Tu vas me manquer aussi. Merci pour tout. D'accord? Prends soin de toi. Toi aussi, on se reverra. Bien. Andrea. Andrea. Bébé. Bébé, écoute-moi. Écoute. Je suis vraiment désolé. Écoute, je sais que c'est à cause de moi que notre couple est brisé. Je suis là pour te supplier pour une deuxième chance. Tu fais quoi de ta femme? Elle m'a menti. Elle n'a jamais perdu sa mémoire. Écoute, elle a fait ce jeu simplement pour que je sois à ses côtés. Bébé, ma vie n'aura aucun sens sans toi. Pitié. Bébé.
je vais poursuivre le divorce. D'accord, s'il te plaît, pitié, reviens à moi. Pitié. Je t'aime tellement, Elvis. Bien sûr, on peut se remettre ensemble. Je t'aime. Tu m'as manqué. Tu m'as aussi manqué. Allez. Ces mois sans toi ont été difficiles pour moi. Mais j'ai supporté.